pile haïtien fâché pour ça qui a passé dans la République d'Haïti. Un pile là yo estimé que yo bagay que ta capable utile pays hein. Il est capable permettre que pays d'Haïti sorti dans tout ça qu'il y a. Mais c'est peut-être faute l'État qui pas chercher une façon pour ta capable utiliser comme ressource qui est vraiment important. Mesdames, messieurs, il y a plusieurs haïtiens qui ont pile capacité que c'est au niveau informatique que les capacités militairement on paquet l'autre domaine. Mais malheureusement, il a desservi l'autre nation. Par rapport, mesdames, messieurs, à la légèreté que nous avons fait, par rapport à la chaîne qu'on se voit, par rapport à la chaîne que nous n'avons pas eu importance. Il y a plusieurs haïtiens dans la diaspora qui sont des Marines, qui sont de bons soldats dans plusieurs armées, l'armée de France, l'armée du Canada et l'armée, mesdames, messieurs, de l'armée des États-Unis d'Amérique, plusieurs autres pays côté de yo intégrés, mesdames, messieurs, l'armée, pour comment vous êtes capable de faire, pour capable avancer. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire quelque chose de très important, c'est-à-dire c'est que Haïti, au fait arriver dans ce niveau-là, nous avons besoin de ressources qui sont capables d'accompagner nous jusqu'à le niveau que nous souhaitons. Nous avons besoin de ressources qui sont capables de permettre que nous avancions de A à Z. Et là, nous avançons de A à Z, nous sommes capables d'imposer de chaque force, de chaque réalité pour permettre nous avancer. Nous pourrons permettre que nous tentions un soldat blanc américain là, monsieur qui décide en quelque sorte dit plusieurs causes dans la République, expliquer plusieurs bagailles côté que la baille de trois détails de ça qui a passé, que l'État a pas ta besoin d'un paquet matériel pour battre avec nèg yo. Il y a des causes, monsieur dit, on garantit qu'il y a des différences avec lui. Mais ce qui est important, c'est que Haïti trouve l'impasse, tout le monde a supposé chercher une solution pour lui. Il y a des détails que je vais porter pour nous, mesdames, messieurs, de Wagay qui passait dans la base ISO. 5 secondes, ferme confiance. Retenez-nous parce que l'un a cherché l'information, nous ne pouvons pas chercher pour nous-mêmes. Nous chercher pour nous permettre de comprendre pour qui ça a passé. En tout temps, je vais dire, ouf, monsieur Politico, il y a un vagabond en pile. Monsieur Politico, il n'y a pas respecté tête. Vous-même, monsieur Politico, c'est vous-même qui c'est premier, puis gros poison pays d'Haïti à faire face à ce souvent. Cet homme, quoi? Population a codé et même a décodé. Monsieur Manova, nous avons une raison. Nous avons des détails sur nous. Nous garantissons que nous sommes toujours fâchés parce que nous devons poser des questions comment causer ça fait sortir d'ailleurs, comment ça fait arriver. Mais nous avons pas de détails, nous avons avec vous. Mais avant tout, nous avons quitté tout le jeune garçon qui autour qui décide en quelque sorte expliquer nous des choses qui sont vraiment importantes et des choses qui ont une importance capitale. Que nous avons intérêt, mesdames, messieurs, pour que nous comprenions notre tâche. Je vais vous avec lui, je vais vous avec les détails tout de suite après. J'arrive. Est-ce que vous cherchez un pile?
contrôle qui sous-tête mélange de cap opérer. Et puis il y a une grenade qui existe même. Donc on a dit pour ça qu'il y a qu'à son opération pour éviter de matonnage pour la radio. Il y a une grenade qui existe, il y a déposé, grenade à pistolet, négrape, égaré. Et puis qui s'arrête, pour s'en rentrer pour eux. Ça n'est pas pareil, parce que d'ailleurs, il y a un bon nom encore. Difficile en pile, Haïti là. Pas la part de son monsieur. Moi, j'ai 12 ans en militaire. Je passe plusieurs bases. Moi, je me disais
là, men, bel uniforme, bel képi nan tèto la. Mwen gen dabo se problem, e ou bel jenye se problem nan mwen la. Non, mwen sa mwen kon sa kou ya, mwen gaj pou, mwen gaj pou prison gen, yon mwen pe, yon mwen fanda se kon sa. Le pit ki ba, mwen kaba, mwen kaba di nou. Non, apre ki nan listwa, men, se kon mwen ki devine di peyi ya. Pasi, nou ki te a iti nan bay eta fini kout men. Nan son kout men, yon di nan situasyon difisil, jwè di nan sanè la bagè, person mwen ki devine mwen kout men, men se. Baladi, se pou koupe yon kabali men. Nan bin se ba yon kout men, jwè di nan sa, men se ba kouken moun gokipe nou. Eta fini, yon konstitusyon ki ka etabli, konstitusyon ki a etabli, si gouvernement a yon, jwen avè gouvernement amerikè, pou ki yon itilize nou, yap ka fel, nou son, le wap ale, nèg yo méchant oui. Et ben même si ça fournit pas de volonté, mais n'importe qui vini. Parce que quand pas quelqu'un haïtien qui retire, qui passe travail dans l'armée pour les son corps. Mais il y a toujours un entraînement, ou tu fais entraînement, il toujours dans la roue. Tactique nous utilise. Et puis acte pénétration pour nous mettre ça. Seulement c'est un soutien qu'il faut gagner pour faire légalement. Nous ne pouvons pas être responsable dans la première équipe militaire. En équipe mercenaire, qu'on est là, nous parlons illégal. Moi je merci à Philippe. Merci un peu, nous devons l'avoir, Kembila. A bientôt. Ok, merci un peu. Tout le temps là, mesdames, messieurs. C'est un jeune garçon qui a évolué aux États-Unis d'Amérique et qui assez souvent, mesdames, messieurs, pour le soir, a expliqué des bagailles qui ont passé dans le pays que vous-même, vous avez souhaité qu'il y ait un changement coopéré. Mais à cause que les bagailles ont venu, et bagay yo vini de on paquet de difficultés. Et bien mes frères et sœurs, amis, il nécessite une compréhension tout à fait importante de la part de certains haïtiens qui ont fait à desservi dans les grandes armées ou dans les grandes polices du monde. Donc monsieur Sao a réfléchi à ce souvent pour qui ça a ta fait pour Haïti. Mais le problème qui pose, mesdames et messieurs, c'est parce que, selon l'information que nous gagnons, d'ailleurs nous parlons à plusieurs yo, à chaque fois yo essaie de contacter des gens qui sont mieux placés, dans, plus au niveau dans l'État. C'est comme quoi, mesdames et messieurs, c'est des gens qui baguent trop d'importance dans eux. C'est comme quoi. Donc en fait, mesdames et messieurs, cette problème qui a passé dans le pays concerné plusieurs monde qui sont dans la diaspora et qui ont un niveau de ça qui a fait. Et assez souvent, les gens disent qu'il y a un moyen pour être capable de débarquer dans le fief isolé, faire des portes l'oreille. Et si l'État Haïti te cherche en façon, ou la justice, ou la police haïtienne te cherche en façon, même gens, ils te fait à l'époque en Équateur, ils fait à Colombie. Donc, soldats ont été capables de faire un coup de main. Même si vous n'avez pas avoué ou dans la guerre, mais vous n'avez pas un coup de main. Vous n'avez pas un fond de bagage. Ok, mesdames, messieurs, maintenant, nous avons dit que nous avons sous question de l'ISO Village de Dieu, une situation qui arrive. Je n'ai pas fait sensation comme si je n'avais pas d'informations, je n'avais pas gonflé voix, ou bien essayé de montrer que l'information, c'est moins. Je suis toujours pris ensemble pour m'entendre. On parle calme pour nous tout entendre et comprendre parce que il y a des bagages nous c'est seul monde qui ca comprendre. Et c'est pas dans courir dans faire gros voix dans avancer faire sensation pour comprendre. La police nationale d'Haïti au courant que chef village des yeux a fait un kidnapping sur plusieurs citoyens. Mais faut me dire citoyens ça yo kidnappé dans finalité week-end là pour entrer dans début semaine ça. Et c'est des gens qui. Des innocents. C'est des victimes par rapport avec consentement, par rapport avec forme, par rapport avec peut-être catégorie sociale. Mais mesdames, messieurs, je connais déjà ma majorité basée, toujours gagné. Des consultants, des gens qui ont expliqué ce que ça doit faire. On est dans le groupe qui a gagné de grands consultants. Il y a des gens qui ont payé pour ça même. Ça m'a dit que je connais. Même gens. Même genre, ce village là, il y a un monde qui paye pour ça directement. L'homme soit parlé, s'il a pris le monsieur, dit monsieur,
normalement on doit libérer Mounsa parce que la police pas bonne chance comme ça. C'est un moment où tu arrêtes le silence pour quitter les gens à frapper en bas dans quoi de bouquet pito au lieu à éveiller sous son négo sous nous encore pour permettre que nous venions des difficultés. Mais mes frères et sœurs, m'a dit nous ça petit sacré les histoires sont petit qui ont recueilli acharné. Son nèg qui toujours montrer qu'il pas peur rien qui sont grain dans bouda, ça veut dire son nèg qui pas peur, qui prêt pour le bataille, il prêt pour le faire l'obéir, il prêt pour l'avancer. Qui ça pral arriver, qui ça pral poser comme problème. Qui avantage la police te gagne tout. Pas oublier mesdames messieurs depuis sous comment zones arrivent encore beau stade là oui. Depuis beau stade Silvio Cato bicentenaire entre village des dieux dans route ou côté au faire route là yo passer le fin fait kidnapping non. La police sait que toute zone ça yo et ceci depuis ces nèg yo pas comprendre yo mal trouve un bagage sou yo crasé zo. Mais mesdames messieurs, si la plupart avec Izo pour Izo est libéré, moi je suis pas d'accord. Parce que je crois que l'affaire on 200 000 dollars quand même pour le capable acheter munitions, payer base là, payer pour vidéo, payer mesdames qui viennent bal chaud, payer un paquet de l'obéille, changer de l'eau dans la piscine, font paquet de l'obéille, acheter munitions, acheter un paquet de l'eau bagaille. Mais c'est vrai que si 200 000 dollars ça ou même plus que ça, il est capable utile base là plus que il est capable utile mettre li ou bien moun k'ap bousquer la vie k'ap chercher même si ou pa wè côté ou pral jeune ni pour porter le mali. Mesdames messieurs, c'est ça que c'est de décider pour le faire. Mais maintenant qui ça pral poser problème, c'est que problème pour Izo, c'est parce que monsieur gen des amis au niveau l'état, au plus haut niveau l'état, qui généralement qu'on est formé les pral gagner go attaque. Et elle fait un coup, elle n'est pas informée, mesdames, messieurs, tout le monde. Plus, on paquet d'autorité dans l'État que le bras fait mission ça. Mais plutôt, informer les personnes nécessaires qui comprennent ce qu'on fait là. Et c'est là, monsieur Bral a une chance pour arriver à entrer dans le fief. Il y a à peine une vingtaine de nègres qui étaient dans l'entrée, plusieurs cailles, qui n'ont pas de monde, qui ont pris en l'autre bec, en dedans, et ça, oh là. Comme les cap surveillés ou même ces gardes que nèg ça oui avant arriver côté Izoa. Mesdames messieurs, les m'bal dou que même l'état va le fâcher après information ça. Les nèg yo commence à déposer. Avancer sous garçon, garçon a courir jusqu'à ce que mesdames messieurs, moun yo pas gain de grandes difficultés. La police commence à bien pénétrer. C'est de là monsieur va recevoir un coup de fil d'une personnalité dans l'État qui explique que ce n'est pas nécessaire pour l'instant. Et excuse monsieur Baynego, mesdames, messieurs, c'est dit le dinego. Nous procurer matériel, tel matériel plutôt. Pas oublier, me dit nous. Nego qui est en prend garde là, prend presque nego ta considéré comme un vencio. Et majorité de jeunes qui étaient courir, voler, quitter. Mais à coup pas fait, demain en l'air, la police était appelé 6 garçons. Eh bien, au fait, mesdames, messieurs, on est dans le pire niveau dans l'État, il dit ce n'est pas encore nécessaire, on est dans le niveau ni là pour avancer. Elle s'est menti 7 fois, 77 fois, elle va back. Jusqu'à ce que, mesdames, messieurs, yon conseiller monsieur Edil, nous obligé fermer à pour pas. Voici la raison qui la cause que mesdames monsieur Izo en ce dernier temps nous va parler de défunt Izo. Nous va dire défunt Izo mais qui s'allier mais qui ça l'a fait mais comment lier mais comment on va aller mais nous toujours qu'à parler de nèg ça parce que yo prend nèg là il quitte la fait l'obéir dans la République. Moi, je me demande est-ce qu'il nous pas senti nous gêner, monsieur. Est-ce que, même sous ça, on vrai. Mais est-ce que le matin, là, nous levons, nous disons, nous allons travailler. Est-ce que nous disons, madame, nous allons travailler pour payer. Pour qui est-ce? Qui ça nous dit, nous allons faire pendant que nous sommes ministres de la justice? Nous sommes premier ministre, ministre intérieur, ministre ceci, ministre cela. Plus de
plus d'un an, moun pa ka passer dans Matisse avec tranquillité. Plus d'un an, difficulté à travers toute police là. Chaque opération pour le fait, pour raison pour l'autre, l'échoué ou bien abandonner la mission. Qui s'en est que ça a mangé pour Naïta ça? Qui diable yo servi qui fait comme ça? Non qui bol plein te plein fatra avec ça a mangé, qui la cause que yo c'est des politiciens sans scrupules comme ça. En tout cas, monsieur Haïti gon lè la jou. Et laisse aller le jouant, personne ne va pas empêcher que le jour pour nous tous. 3-4 octobre, après toute calamité, PNPC, ça y est, qui master plan, paysan, on connaît, observateur, après nous, mon victime sous l'autre forme, qui est considéré comme violation grave, dès qu'en pile organisation non gouvernementale, qui est les ONG, utiliser chaque ministère via direction départementale pour montrer soutien sous l'autre victime et ramasser l'argent à l'échelle internationale. Un fait projet bidon, réuni dans un hôtel, manger prêt, et propre DM sous nos vulnérables, et météo dans condition assistanat net aller. Inox, qui peut être fait toujours, et dans le moment où on a parlé là, à évaluer les bâtiments, et non pas construction, logement, surtout des femmes. Même genre, l'État haïtien sous gouvernement Jovel et Moïse Lan, via EPPLS, qu'ils vont nous faire diriger, commencer à coûter 10 à 12 000 dollars américains. Selon l'information dans le Front Rouge, avec la l'autre commune du bâtiment, il y a un ladre qui n'a jamais fini une voie pour inaugurer à travers le ministère des Affaires sociales. Et dans le temps passé, qui est le ministère de réponse post-cyclonique, je ne veux dire, mon sait qu'on est, je ne peux pas comprendre trop pourquoi le ministère ça, un ministère comme ça. Quand tu as suivi, à partir de promesses, ministère Nesmonalinga, Éducation nationale des ministères, après évaluation qu'il te promette, le tremblement de terre qu'il pourra construire dans la zone Karakouli, hangar provisoire, pour loger des milliers de timons qui font partie de 9 écoles publiques dans la Gandance. Il faut que nous tous, je dis à l'espace ça, c'est cochon, cabri, et qui loger des fatrasouli en imparfait. Et sur le plan infrastructure, tronçon Jérémie Kaye, qui est les routes nationales là. Je veux que dans le moment où je parle là, messieurs, dames, pas déblayer, côté que je ne peux pas gagner possibilité pour que les machines et passer bien, fait croisement sur route là, et ça pose un pile accident. Et tout simplement, en matière infrastructure, et comme aspect positif, nous avons parlé, dans le moment où je parle là, en termes de témoignages, c'est leadership ou dynamisme, détermination. Docteur Ariel Henry, ancien ministre de PTC, ingénieur Wilson Ledois, l'État haïtien à partir de son financement et Banque mondiale, soit au montant de 3 millions et quelques dollars, qui a valu un peu de 4 millions de dollars, ils ont construit un pont improvisoire sous rivière Gandansan. Et dans le moment où on a parlé là, c'est possible avant la période 15. Pour que les compagnies ça, qui sont le commun, le groupement frontière, aient accès à point. Et vous demandez pour que le ministre de TPTCA, lui-même qui a fait le débat politique sur le département, pour qu'il prenne à ce problème grand affaire et voit comment le capable de TPTC moyen pour protéger là bien avant la Saint-Louis. Guerrier, Johnny, madame Lizzie, à la prochaine. Merci, au pire. À la prochaine RFI. Quel imaginaire. Anel Joseph, de Pitigouave, bonjour. Bonjour, Guerrier, bonjour, Lydie, bonjour, Johnny Ferdinand, et nous saluer, préférence faible, même qui toujours les journalistes dans la région. N'a pas qu'on est responsable de la protection civile, Croix-Rouge-Suisse, dans les Mouganes, organiser un exercice de simulation pour Mamio, dans la population par rapport à ces gens cycloniques-là, qui déjà démarré ce pays. En pile, membre communauté locale, protection civile, protection communale, centre-ville, te répondre présent pour participer dans CIMEX qui était déroulé dans le lycée Anakaona sur l'obédience coordonnateur technique protection civile, la messieurs Clément Georges, à coordonnateur pour l'idopier Richard, pour Croix-Rouge Suisse. En pile, atelier travail et puis exercice à rapport qui est présent et donc qui est présenté sous forme simulation pour être capable de mettre participants dans l'ambiance. Et stimuler un cyclone qui sortit dans la zone Cap Vert, estimé Cap 72 ans, pour arriver en Haïti avec deux phases, pré-alès et puis des phases à l'est. C'est notre Clément Georges. Dans ce sens-là, il stimule toute population pour capable de connaître comment la réaction est appuyée, si toutefois la population a trouvé en face d'une situation comme ça.
Sénateur Richard Polidor, bon côté parle, je fais quoi si on a une possibilité pour l'excuse gagnée pour participer à l'activité d'investissement, il répondait ce qui est très important pour la population. Et il répondait pour une autre sous-responsabilité au gagné, surtout dans le moment cyclone, et puis qui vient motiver au plus. Pierre Richard Polidor déplore le fait qu'aucune autorité n'a participé à l'activité qui est capable de mobiliser sous réaction à la responsabilité. L'autre information, le Conseil régional pour le développement pour élèves dans le soin qui présente ensemble l'activité et organisée dans la communauté et puis présenter l'autre projet au grand perspective. En fait, le monde dans la population bénéficie de l'INEF, ça fait un projet à la Fadère gagné selon Jean-Roch Lamotte, qui est président pour élèves. La Fadère Saro gagné pour finir installé dans fin mois août, mettez sur notre activité à chercher pour accompagner la population grâce à des petits points qui n'ont pas diaspora. Le président Kourdev a déploré mauvais traitement de la civile en bas autorité paysante qui décide de traiter en parent pauvre parce qu'il n'y a pas jamais aucune assistance de côté de l'État. Conseil régional de développement de Kourdev a déjà acheté une génératrice pour alimenter les zones. Si c'est une grosse action de développement opposée dans la communauté, pour qu'on y là, mais ça doit mettre l'accent sur route là, et donc qui sortit cette étienne point. Qui n'a jamais fait malgré la quantité de députés qui étaient présents dans l'ensemble de travail. Et donc le projet a semblé passer inaperçu. Et à cause de l'argent, je reclame, on demande pour explication sur l'argent qui est disponible pour ça, qui sortit quand vous êtes étienne, parce que c'est un cabinet, malgré le projet, ça a été lancé, aucune action, par exemple, posée depuis environ 4 années. Je reclame, on demande qu'il vous perdu espoir dans l'état, ça, elle profite dans ces détails, bah, tout petit coin pour être ensemble, pour capable de développer la caillou, et elle souhaite tout noyau qui n'a diaspora capable de contacter le docteur Lévy, qui est le secrétaire général pour l'UDEV, dans le pays des États-Unis, pour continuer à renforcer la caillou, qui est le coin. Pour finir, il y a une université internationale des sciences modernes et appliquées, UNISMA, qui comptait mettre d'ailleurs des deuxième promotion qui baptisait par tout le monde à prévoir pour vendre les 17 août, lance au parrainage, ancien député, j'adore les gestes selon ADN. Non, mais tout le terrain, UNISMA prend place comme numéro 1 dans la région. C'est 5 disciplines scientifiques qui sont sorties parmi eux, agronomie, administration, droit, communication sociale avec éducation. Joseph Anel qui voit un Caraïbe. Merci un peu, Anel Joseph. On a fini avec Richesse Moudin. Richesse, bonjour. Bonjour, Guerrier. Bonjour, Libby Alexandre. Bonjour, bonjour tout le monde. Information pour le département de l'Est, Guerrier. Il y a une association paysan victime plutôt bien dans la commune de la Mette. Nous avons rencontré avec la presse pendant le week-end. Ils ont dénoncé responsable de la compagnie industrielle Côte d'Ivoire. Ils ont complicité avec les paysans pour dégager sur une production de terre. Ils ont fait jardin. Ils ont déclaré 2022 par 2022 côté les Haïti. Pointe paysan au Cagadin, bah il compagnie industrielle Côte d'Ivoire pour implanter zone franche. C'est pas responsable Côte d'Ivoire pour mettre paysan en pile avantage. Donc nous allons essayer d'avoir construit une école et pour mon accompagnement la mer, d'avoir construit eh bien caille. Il t'a pas la, nous allons essayer d'avoir coup en accompagnement la mer. Selon paysan tout pour mettre ça, c'était pas au l'envers. Paysan vous dit, il a subi en pile la pression, mais responsable Côte d'Ivoire qui décide de prendre encore 65 hectares pour la grande factoria pour la paysan pour la balancer, ils ont dénoncé tout le groupe haïtien pour dire qu'ils forment un comité qui est Conado pour persécuter eux. Eh bien, ils ont dit, eh bien, tout ça, Dominique, vous-même, vous avez fait là, tout plan ça, c'est pour capable arriver, camper, et bien, construction ou bien, en fait, sur le canal Rivière Massacre pour arroser les paysans dans la zone en haut avec Bas-Marie-Bois. Eh bien, ils ont dit, après toute agression, toute avantage Dominique était pour mettre par exemple grand qui fait finalement il n'y a pas côté priorité, il n'y a pas capable cette fois-ci céder pour ce ça bah et bien compagnie industrielle Côte d'Ivoire et on a demandé l'État ici pour repenser parce que déjà dans pile grand pile citoyens qui l'a dit de balancer coup pas de côté priorité côté après 2022 là l'État ici de prendre pour être capable bailler le point cher Côte d'Ivoire. Il dit eh bien cette fois-ci il s'est monté 7 fois 77 fois pour ça lui même il pas passé que il faut que haïtiens qui forment le comité et qu'on a droit pour capable prendre conscience pour pas trahir les haïtiens et c'est un dossier à suivre. Nous sommes capables de venir avec tout détail sur ce site-là, parce qu'ils ont une information qui est déjà annoncée couleur. Écoutez, les paysans ont annoncé dans le jour qu'ils viennent là-haut. Ils n'ont pas fait personne pour être capable de faire la souris de là pour la guerre de loi dans la zone avec Paribas pour continuer à oser les paysans pour capable de gagner plus manger qui fait dans la zone avec Bamari Fort Liberté. Pour le département de l'Est, Richard Moudelin, Caraïbes.
Merci un peu, Richesse Maudelin qui t'a informé nous. Et c'est vous tout qui mettez en bout dans la virée, nous avons fait un matin hein, sous antenne Caraïbe FM. Nous avons fini avec SOSA, gagné Nonsan qui gagné 17 ans, qui c'est un jeune garçon qui, selon ça nous apprend, a fait un accident grave. Il a deux pieds cassés, il est dans l'hôpital La Paix, mais famille n'a pas en contact avec lui. Donc, les mêmes tours par un téléphone familial. Donc, non sans, il y a 17 ans, il fait accident machine, il est dans l'hôpital La Paix. Et puis, bah, nous finis, et au lycée Pierre-Rich, il semblait vouloir réagir. Au lycée Pierre-Rich, bonjour. Non, c'était tout à l'heure. Oui. Ça rapide. Bonjour, Pierre-Renel René, et bonjour, concernant qui est dans le journal là avec vous, et bonjour, Bob, c'est bonjour, papa haïtien. Bonjour, communauté évangélique haïtienne là. Mm-hmm. Alors, monsieur Guerrier, moi, j'ai prié parce que généralement, les mercredis, moi, prié pour le ministère, et les mardis, moi, prié pour besoin personnel, moi, les jeudis, moi, prié pour pays en général. Moi, recevoir plusieurs appels, plusieurs textes, c'est comme si la République crasée, c'est comme si Ariel Rissi prend conscience, il était à l'école, et puis, il pourrait retourner le pays dans la normalité constitutionnelle. C'est ça que je pensais. Mais finalement, on entendait des normes capacité et dans une série de bagailles. Alors, je vais m'apporter une petite précision. Précision, c'est que policier Pierre Rich, pas de jamais eu contact avec Sœur Émilie comme candidat à la présidence. C'est pas de saleté du tout. Et qui saleté? Les années 2006 et 2007, Sœur Émilie Antoine, de regretter les mémoires, au courageux servante du Seigneur, était en mission et était séjourné la Caïnou dans Delma 31. Et c'est là qu'elle était séjourné. Et nous avons recevoir lui en tant que missionnaire. Nous recevons lui, ben d'Acadie, et comme les saints recevoir les saints. Et nous commençons à travailler ensemble dans le ministère, dans le champ ministériel. Nous avons des possibilités, privilèges. Bon, Dieu, nous parcourir tout le pays. Et nous croyons nous-mêmes dans Radio Caraïbe, nous avons rappelé nous, juste avant le tremblement de terre, là, c'est une équipe missionnaire qui était dans tout le pays, qui a annoncé qu'un événement est arrivé. Tout le monde était témoin de ça, et moi-même rappelé dans Radio Caraïbe, il y a des gens qui étaient passés en dérision, qui étaient pensés que c'était peut-être notre parti, c'était un collègue dans le parti de droit, avocat, pareil, nous n'avons pas eu le corps, parce qu'il n'y a pas de parti, là, on n'est pas assez bien formé, on a dit, il est tombé dans le mandat. Moi-même, moi, c'est Baptiste, de conviction Baptiste, qui étudiait dans le séminaire Baptiste, que ce soit national et international. Maintenant, ça, c'est pour maintenant la question de l'entendre. Et puis, nous continuons de travailler dans tout le pays à prêcher l'évangile. En 2009, Sœur Émilie Antoine, pour aller recevoir une révélation, il est prêt à le confier à un journaliste, un nouveliste, qui va écrire un article, et deux articles, ça, lui remettre mission en Beraka, qui c'est mission église missionnaire de Beraka, il va confier à nous-mêmes, à moi-même en particulier, pour gérer la mission. Et depuis lors, il remet nos missions. Nous faisons plusieurs voyages au Canada. Vous avez mission seulement à partir des articles-là? Oui, alors comme document pour pays à comprendre, Nous faisons plusieurs voyages au Canada parce que Sœur Émilie Antoine, mon seul petit, c'est Ricardo Mérilis. On est allé au Canada plusieurs fois avec lui pour te raconter par la petite lui, petit qui n'a jamais parlé avec lui, plus qu'en dizaine d'années, il n'a jamais rencontré petit là. Ok. Maintenant, mon frère qui la vallée Jacmel, qui est les Francs, et c'est Franck là. En 2008 ou 2009, moi j'ai été présenté dans le tribunal de paix, la valise Jacques Mel, devant le juge de Ristil, pour des frères qui allaient manger pour couper cette sœur Émilie. Et à partir de ce moment, nous sommes intervenus devant le magistrat et notre frère est classé dans Wally. Maintenant, je ne suis pas jamais venu dans l'église là du tout. Maintenant, leur sœur Émilie qui était malade, malheureusement, bon Dieu, moi, j'ai relevé toute famille pour faire reconnaître. Sœur Émilie, malheureusement, bon Dieu, malheureusement pour nous, mais heureusement, bon Dieu, relevé Sœur Émilie. Eh bien, toute activité t'a fait pour
funérailles là, monsieur prend position. Au moins pas qu'à empêcher au fait funérailles famille, mais mission est disposée pour faire. Yo pas voulu. Tout pasteur, tout le monde, il parle avec lui, tout parle avec Franck, parle avec Blaise, parle avec Ricardo, parle avec tout le monde. Et puis ça a été fait. Monsieur, qui ça a voulu? Il a voulu pour accaparer des biens de la mission, des biens de l'église, que ça a voulu. Il a voulu pour prendre bien l'église, bien mission, pour mettre tout le monde qui est comme pour ça dehors. Tout le monde parle avec lui. Est-ce bien capable pour vous-même, Moïse Pierre-Riche? Pardon? Est-ce bien capable pour vous-même? Non, Olivier Pierre-Riche par exemple, bonjour, Olivier Pierre-Riche par exemple, réclamez bien personne, tout le monde connaît Olivier Pierre-Riche dans le pays, c'est un rude travailleur, c'est un doux travailleur, comme avocat, comme diplomate, comme théologien, comme professeur d'école, pas jamais besoin de rien personne monde. Du tout. Mais c'est le bien de la mission, c'est le bien de l'église qui tissait pour une communauté. Et ce réalité dit clair devant nous tout. Non, mais écoutez, qui papier légal, qui papier légal, ce humilité bah oui, qui bah mission. Ça, est-ce que le fait sous non spécifiquement ou bien sous non mission hein? Et qui ça qui explique que moun sa qu'on y a en prison? Mais bonjour, si m'a expliqué non apprécié n'a apprécié parce que pas gagne toute l'air pour ça. Tout parce que une fois fini. Okay, écoutez, oui. moi dis premièrement, à regarder dans le nouvel liste, il y a un article sur le 22 novembre 2009. Non, on parle de novembre, un document légal. Qui ça qui est comme document légal qui prouvait que Sœur Émilie te baille mission à ou même, te confier là ou même, ou du moins ce qui baille toute salle de comme bien à mission. Dieu seul. Sœur Émilie travaille au lycée Pierre-Riche. Les biens de la mission au lycée Pierre-Riche, c'est un gérant. Maintenant, Sœur Émilie, je n'ai pas besoin de parler de lui parce que lui déjà a rejoint le Seigneur. Faut nous comprendre que tout bien qu'il fait, tout, c'est la communauté, c'est les frères, c'est le monde un peu partout qui met ses corps ensemble pour faire communauté. Sœur Émilie, de sa vie, il était déclaré devant tout le monde, il n'a pas gagné absolument rien, tout bien, c'est bien mission qui était là pour mission. Maintenant, le Sœur Émilie finit de mourir, monsieur, il a commencé. Après fait des ordres, ils arrivent à calmer. Pendant presque une année, pas même temps de brio du tout. Brutalement, monsieur est rentré avec manchette, avec manchette ou une équipe, manchette dans main, clairé dans main, radio dans vaudou dans main, ils rentrent pour couper tout le monde qui est sur le campus là. Ils ont coupé banane, ils ont lâché puis bois, ils ont cassé cadenas l'école là, ils voulaient craser l'école là. À partir de ce moment, moi j'ai fait appel à un juge de paix. Juge de paix a venu avec la police pour faire constat. La police était impuissante à ce moment devant violence, monsieur. Juge de paix a fait constat. Après constat, juge de paix a décerné mandat. Monsieur. Mais qui ça a aussi rien à voir avec la justice? La justice n'est pas un scandale. Moi, je suis avocat pour plus qu'une vingtaine d'années. Moi, je ne suis pas un scandale avec le monde. Mais c'est la justice qui a réglé à faire. Que la justice continue à régler. Moi, je regrette que l'avocat, monsieur, qui est en prison, c'est pas moi qui est en prison, c'est mettre tête en prison. Olivier Pierre-Riche, je n'ai pas besoin de la prison moi-même. Bon, parce que moi-même, c'est ça que je connais là. Qui papier, ou bien est-ce que. Nous, dans le niveau mission, nous avons un papier légal que Sœur-Lan te signé et qu'elle remette bien ça à mission. Mais c'est pas les biens personnels de Sœur Émilie, c'est du tout le monde, c'est les biens de la mission. Et aller dans le ministère des cultes, après, le ministère a enregistré. Mais comment faire aujourd'hui? Bamdou, écoutez, qui gens au monde, pendant plus que 10, 20 ans, 30 ans, ou pas même qu'on est de qui ça mon envie pour nous établir bien. Mais c'est bien l'église alliée. C'est bien l'église, c'est un patrimoine communautaire, c'est pas bien au lycée Pierre, c'est pas bien Sœur Émilie Antoine, c'est pas bien ou même Dieu Guerrier, c'est bien population. C'est bien l'église l'en lié. Or, personne n'a pas dit c'est au lycée Pierre, bon, bien, moi, nous tous connaissons très bien dans le pays, nous connaissons très bien. Pas bien personne qui a osé dire que un jour, j'ai besoin de personne. Okay. Moi-même, tout le monde connaît bon Dieu béni massé. Tout le monde connaît ça, bon Dieu béni massé. Eh bien, non, comme aussi à la justice, suivi ou à faire. Exactement. C'est la justice pour faire. Les bambous, avocats, malheureusement, qui te droit, qui te bâtonnier l'ordre de l'avocat de Jacques Mel, ou à passer par chemin détourné, ou à voir les clients venir faire là.
la justice ne vit pas de standard. Même pas qu'on a dans la et l'église qu'on a les moins mettant des cultures haïtiennes. Moins vers où est-ce que la ra. Même pas qu'on a dans la pas qu'à faire la pas qu'à faire la et moi-même, dis tout le monde, écoutez, pas essayer pour nous répondre à un nom qui est riche pour faire émotion avec elle. Tout le monde est comme qui respecté et respectable dans le pays, dans tout domaine, dans toute dimension. Merci un peu. Merci un peu, le lycée. Parce que nous permettons et faire pays à connaître ce qui a passé. Encore une fois, je dis nous que au lycée Pierre-Riche, Jean-Noël, là, moi, ouvre toute page, moi, ouvre. Toute page, moi, ouvre. D'accord. Bonne journée. Merci. La fini avec mon gars, fêté matin. Bonne fête avec Fielmoin, docteur Mitzi Ulysse Gillot.